Attention, j'expose comme moi-même. Je suis artiste de nature. Alors là, je travaille sur l'art. Et depuis quand vous faites ça? Je peux dire que ça fait presque 30, 35 ans que je fais ça. Donc j'ai toujours vécu de ce métier. Donc en étant jeune, j'ai commencé. Mais je n'ai pas quand même fait l'école des beaux-arts, je suis autodidacte comme on dit. Et là, justement, j'ai appris l'art par un monsieur qui m'a initié et qui me faisait vendre ses arts. Alors là, ça m'a intéressé. J'ai commencé à le pratiquer, même pas au Sénégal, mais en ce moment, j'étais au Burkina Faso. C'est là où j'ai commencé à faire la peinture. Une fois saisi, ça m'a vraiment, comment dirais-je, intéressé. Et depuis lors, je n'ai fait que vivre de cet art-là. Qui m'a beaucoup accompagné, qui m'a beaucoup guidé, qui m'a beaucoup servi aussi parce que j'ai eu tout ce que j'ai avec une famille, un toit, avec cet art-là. D'accord. Quand ça évolue, c'est-à-dire, je peux dire qu'il y a eu un moment où c'était vraiment rentable parce que peut-être c'est le Covid qui a tout bouleversé. Et sinon, je travaille dans les clubs. Je travaille dans un club qu'on appelle Philao. Avant Philao, j'ai travaillé avec le club Aouba, maintenant avec le Philaos. Et là, je donnais des ateliers de peinture. J'initiais les gens à faire la peinture. Du mini-club, justement aux adultes. Et là, franchement, quand même, on gagnait bien notre vie. Ça allait. Et vu que le Covid est là, ça nous a forcé à ne plus voir nos clients. C'est pour ça qu'on a quitté le domaine pour venir un peu dans un truc comme ça, au bord de la rue, pour pouvoir montrer ce qu'on fait, pour pouvoir vivre comme tout le monde. Merci beaucoup.